aménagé le chemin La Gourgue en accompagnement de la création d'une bretelle de 500 mètres pour rejoindre la RN2 en direction de Saint-Denis. Ces travaux se sont rajoutés de gros travaux d'assainissement pluvial où on a réalisé un bassin d'écrêtement de débit et une reprise de tous les caniveaux de part et d'autre du chemin La Gourgue. Ça fait 40 ans que j'habite là et le problème d'eau pour l'évacuation, c'était vraiment terrible. Hein. Là, tous les trucs qu'ils ont fait, ça va être vraiment bien. Hein. Et puis pour l'embouteillage. Les principales difficultés sont de réaliser les travaux sous l'ouvrage qu'on voit derrière, donc qui passe sous la RN2, avec l'obligation de fermer à la circulation pendant 2 mois compte tenu de l'exiguïté du site. Et la nécessité de passer des caniveaux et des ouvrages de très grande taille pour encaisser les débits de pluie qu'on a sur Saint-André. Nous sommes sur une réalisation de plus de la région Réunion, donc dans le cadre de toute la modernisation que nous avons initiée depuis plusieurs années maintenant, donc modernisation routière, faire en sorte que ici sur Saint-André en particulier, il puisse y avoir donc de nouvelles bretelles réalisées pour permettre aux gens de circuler dans de meilleures conditions. Et si nous voulons réussir ici à Saint-André, et il y a 2 projets qui sont 2 projets majeurs aujourd'hui, qui est tout le pôle numérique de la Réunion qui est en train d'être positionné aujourd'hui sur Saint-André en matière de formation, donc et de haut niveau. Et en même temps, il y a bien évidemment le pôle industriel de Bois-Rouge, cette fois, qui sera sûrement l'un des grands projets réunionnais des prochaines décennies. Donc c'est pour ça que nous travaillons en parfait partenariat entre la ville de Saint-André, la région Réunion et la CIRES sur ces questions. C'est surtout qu'on attendait, ça fait pas mal de temps, et là ça va vraiment désengorger. Bravo à la municipalité de Saint-André, c'était peut-être une dynamique pour le début du changement de Saint-André.